savez que Alors, merci à tous d'être ici. Donc, ça va être la dernière séance de quart d'heure insolite de l'année, au sens universitaire. Hein, ça reprendra à l'automne prochain. Donc, ça va être une séance un petit peu particulière. Elle va être articulée avec une petite présentation d'un sujet qui sera un prétexte pour inviter ensuite Christophe Michel à se joindre à nous. Donc, je suis vraiment super content qu'il soit ici avec nous, très fier. Donc, voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Son travail est vraiment chouette. Il se présentera lui-même, on interagira tout à l'heure. Donc je vais commencer ici pendant à peu près 10 minutes à vous parler de quelque chose. Je ne vais pas vous donner de suspense, je vais vous parler de médecine quantique. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Bon. Et ça sera le point de départ du coup d'une interaction avec Christophe. Alors, avant quand même, petit détail important, je tiens de nouveau à remercier l'équipe Noon, à chaque fois je me plante sur la prononciation. Donc c'est des étudiants de l'IUT de Chambéry là qui, dans le cadre d'un projet qui compte dans leurs études, s'occupent de l'organisation d'une partie des choses relatives à ce quart d'heure, notamment la captation, la pub, le micro marche. Alors c'est pas amplifié en fait. C'est enregistré. Je reprends. Merci. Donc je les remercie vraiment pour tout le travail qu'ils ont fait dans ce semestre, pour les affiches, les teasers, la captation, leurs idées. Enfin voilà, c'était vraiment un plaisir de travailler avec vous. Hein. Merci beaucoup d'avoir fait ça comme ça. Voilà. Et est-ce que je peux demander aux gens qui sont là-haut, en fait, ça me dérange le brouhaha. Donc je suis désolé, mais voilà. Ça, c'est mon petit quart d'heure prof. Non, pas vous, hein, calmez-vous. Il y a tous les étudiants qui sont comme ça, ça y est, ça lui reprend. Il recommence. Bon, on va vous parler de zététique. Donc, j'introduirai tout à l'heure Hygiène mentale, la chaîne YouTube de Christophe. On définira le terme tout à l'heure. Et le prétexte, voilà, c'est ça. C'est la médecine quantique. Donc, quand j'avais proposé à Christophe de venir faire quelque chose ensemble ici, il m'a proposé ce sujet-là. Tiens, si on parlait de médecine quantique. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je me suis posé la question. Et ce que je vais faire là maintenant, c'est vous expliquer, vous montrer ce que j'ai fait. En fait, j'ai pris ce mot-là, ce terme-là, et je me suis posé la question, tiens, qu'est-ce que c'est? Et je vais essayer de dérouler le processus que moi, en tant que physicien, j'ai suivi pour essayer de comprendre ce que c'était que ce truc. Bon. Alors, la première chose que je me suis dit, c'est ça, médecine quantique. Hein, voilà. Schrödinger chez le veto. À propos de votre chat, monsieur Schrödinger, j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. C'était pas ça. J'avais par ailleurs sous la main un magazine. Il se trouve que quand je prends le train, j'achète Science et Vie parfois, mais que quand je prends le train. Et j'avais ça, on pense tous quantique, avec des expériences le prouvent, une clé pour mieux se connaître. Et ça avait l'air de parler un peu de médecine aussi. Je me suis dit, tiens, mais en fait, je l'ai acheté, mais je n'ai jamais ouvert, donc je vais regarder. Peut-être que ça va parler de médecine quantique. Et en fait, l'article ne parle pas du tout de ce qui est en couverture. Voilà, ça parle de choses reliées à une analogie entre la mécanique quantique et la psychologie, mais ce n'était pas du tout une bonne piste. Voilà, donc conseil de journalisme, si votre article peut être résumé par nom ou bien qu'il ne traite pas du machin que vous voulez, bah, l'écrivez pas, quoi. Vous mettez autre chose, mais ça, Science et Vie. C'est pas pour dire du mal de Science et Vie, mais ils font souvent ça. Il y a des choses très bien parfois à l'intérieur, mais avec des couvertures qui sont absolument tapageuses, on va dire. Bref. Ça va être plus calme après, ça y est, j'ai dit mon truc, on passe à la suite. Alors, la médecine quantique, c'est quoi? Alors, en tant que physicien, moi, quand j'entends médecine quantique, c'est le mot quantique surtout qui résonne dans mon esprit. Et la physique quantique, si on veut aller voir ce que c'est, je vous donne la définition de Wikipédia ici, parce que vous allez voir qu'on va retrouver certains mots dans un autre contexte après. La physique quantique est l'appellation générale d'un ensemble de théories physiques nées au XXe siècle, qui, comme la théorie de la relativité, marque une rupture avec ce qu'on appelle maintenant la physique classique.
qui regroupe par définition les théories et principes physiques connus au XIXe siècle. Les théories dites quantiques décrivent le comportement des atomes et des particules, ce que la physique classique n'avait pu faire, et permettent d'élucider en particulier certaines propriétés du rayonnement électromagnétique qui restaient inexpliquées par la physique classique. Ça ne nous dit pas vraiment ce que c'est, mais ça donne le cadre. Voilà, c'est l'introduction de Wikipédia de ce qu'est la physique quantique. Alors, si on veut dire ça en un mot, c'est une théorie qui a été élaborée pour résoudre des problèmes à la fois théoriques et expérimentaux au début du XXe siècle. J'insiste sur le fait que ça a été élaboré pour quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un un jour qui s'est levé, un savant qui s'est dit « Waouh, la mécanique classique ne marche pas ou elle me plaît pas, je vais inventer autre chose ». Il y avait des problèmes particuliers à résoudre, à la fois théoriques et expérimentaux. Il y avait vraiment un but à ça. Et pour juste donner quand même quelques compléments sur ce qu'elle permet d'expliquer que ne fait pas la physique dite classique, ça permet d'expliquer notamment la structure des atomes, la structure des molécules, la cohésion de la matière, les interactions fondamentales, interactions fortes, enfin ce qu'il y a dans les noyaux atomiques, etc. La conduction électrique, le magnétisme au niveau élémentaire et les propriétés de certaines étoiles, comme les naines blanches. J'ai mis ces trois derniers exemples pour vous dire que, contrairement à une idée assez répandue, la physique quantique ne s'intéresse pas spécialement au microscopique. On a des systèmes qui sont macroscopiques et dans lesquels on a besoin de la mécanique quantique aussi. D'accord ? En gros, pour même dire les choses de manière un peu plus forte, la mécanique quantique, on pense qu'aujourd'hui que c'est une théorie qui permet d'expliquer absolument tout autour de nous, à toutes les échelles. Mais dans pas mal de conditions, dans la vie de tous les jours, on peut se contenter de théories qui sont approximativement valides et qui sont la physique classique. Mais voilà, la mécanique quantique, ça ne s'intéresse pas juste aux tout petits, aux microscopiques. Il y a aussi des objets macroscopiques qu'on ne peut comprendre qu'avec ça. Du coup, ce n'est pas déraisonnable du tout d'imaginer que la physique quantique puisse avoir des applications en médecine, a priori. D'accord ? Donc le mot médecine quantique, c'est pas un oxymore, quoi. Alors du coup, je suis allé chercher sur Google, je suis allé chercher médecine quantique comme mot-clé. Je tombe ici sur un ensemble de pages. J'avais prévu de parler de ces deux-là. La première, parce que c'est la première entrée sur Google, donc c'est là que les gens peut-être vont aller voir en premier, je ne sais pas. Les deux suivantes me semblaient, moi, me plaisaient pas trop. Je ne saurais même pas trop dire pourquoi, mais voilà. Et la quatrième, c'est Femme actuelle. Donc je me dis, tiens, ça, c'est peut-être quelque chose qui va toucher un public plus large. Le premier site, ça s'appelle Symphonie énergétique, et quand on va voir, au bout de deux clics, on se rend compte que c'est quand même quelque chose écrit par des gens qui veulent prouver quelque chose. Le quatrième lien de Femme actuelle, ça me semblait un peu plus neutre. Voilà, quelqu'un qui se posait la question, tiens, qu'est-ce que c'est que la médecine quantique, en s'adressant à des gens qui n'étaient pas forcément convaincus d'avance. Donc je vais, comme on est un petit peu juste sur le temps, je vais juste vous parler de la deuxième, en fait. Donc tout ça, je saute, pardon. Et le site donc de Femme actuelle, voilà ce qu'il dit. On ne va peut-être pas tout lire ensemble, mais on va juste lire le paragraphe en gras. En lien avec l'univers de la physique quantique, la médecine quantique propose d'appréhender la santé humaine selon un postulat totalement différent de celui invoqué jusqu'à présent par la médecine classique. Si cette thérapie crée de plus en plus d'émulation dans son sillage, elle provoque également de nombreuses polémiques, explications. Et alors dans ce texte, déjà, il y a des choses intéressantes pour le physicien. On voit le mot postulat. Et les gens qui ont fait de la physique quantique, de la mécanique quantique, ça démarre effectivement avec des postulats. Vous ne pouvez pas ouvrir un livre de mécanique quantique sans ça démarre par ça. Donc déjà, là, quelqu'un qui connaît un peu la mécanique quantique, il se sent peut-être un petit peu à l'aise, ou en tout cas, il reconnaît des mots. On voit médecine classique. Et en fait, si on regarde la structure de la première phrase, on remplace dedans médecine par physique. Et en gros, c'est la phrase de Wikipédia. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est une sorte de... c'est une analogie entre le passage de la mécanique classique à la mécanique quantique. Voilà, ben on fait la même chose en médecine. Bon. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben ça, c'est le paragraphe suivant. On vous dit, contrairement à la médecine traditionnelle qui perçoit le corps humain comme une addition de plusieurs organes, la médecine quantique développe une approche plus holistique, suivant laquelle l'organisme serait composé de particules de lumière appelées photons. Donc là, le physicien, il s'arrête, il dit non. Là, je ne sais pas ce que veut dire la personne, mais l'organisme n'est pas composé de particules de lumière, on n'est pas composé de photons. Oui, les photons, on peut appeler ça des particules de lumière si on voulait, mais le corps humain n'est pas composé de ça. La santé de l'homme serait gérée par les échanges informationnels entre les cellules et non par les rapports biochimiques qu'elles entretiennent, postulat de base qui sous-tend la médecine classique. Bon, donc là déjà, on est un petit peu, moi en tant que physicien, je me méfie déjà un petit peu de ce qui va suivre. Bon. On lit ensuite que la médecine, donc c'est des médecines inspirées par la physique, pour ses détracteurs, la physique quantique fait partie du domaine de l'abstrait. Là, je m'arrête aussi en tant que physicien. Il n'y a pas de détracteurs de la mécanique quantique.
C'est une théorie. On peut éventuellement essayer de la mettre en défaut, d'essayer de la généraliser, de la mettre en défaut, c'est-à-dire d'imaginer des expériences qui permettent de montrer que ces prédictions ne sont pas correctes. À ce jour, aucune expérience n'a fait ça. À ce jour, aucune expérience n'a mis en défaut la mécanique quantique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui essayent de le faire, hein, mais le mot détracteur est un peu, à mon avis, un peu fort, quoi. Il n'y a pas de gens qui sont là, non mais la mécanique quantique, c'est n'importe quoi. Plutôt si, il y en a, mais moi, tous ceux que j'ai vus, ce ne sont pas des scientifiques. Pourtant, de nombreux scientifiques, parmi lesquels figure un certain Albert Einstein, se sont largement penchés sur le comportement des atomes et autres particules subatomiques. Voilà. Et après, il y a toute une petite phrase avec les photons, mais on s'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est la phrase suivante. Il s'avère que le biophysicien allemand Fritz Albert Popp a démontré dans les années 70 que les cellules humaines émettaient elles aussi des biophotons qui s'organisent en champs énergétiques au sein desquels sont véhiculées les informations. Je suis allé voir ce qu'a fait ce monsieur Popp. Il y a, c'est bien, il y a un nom, il y a une référence, donc on peut aller voir. Donc effectivement, cette personne, Popp, c'est un biophysicien. Alors il a fait plusieurs articles. Ils disent dans les années 70, là, dans le petit texte, et l'article auquel ça fait référence, c'est un article qui est en allemand. Donc moi, perso, je ne suis pas biophysicien et je ne parle pas l'allemand. Donc l'article ne m'a absolument pas informé. Mais c'est quelqu'un qui a publié plein d'autres choses après. Donc je suis allé voir un article assez récent de cette personne, 2002, donc de ce Popp. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc, je vous traduis, ça veut dire luminescence avec un délai de système biologique en termes d'état cohérent. Ça, en termes pour un physicien, effectivement, ça veut dire quelque chose. Le terme coherent state, c'est quelque chose d'extrêmement précis en physique quantique. Voilà, ça désigne certains états qui permettent d'approcher des états classiques, en quelque sorte, mais peu importe. Et ce que fait la personne ici dans cet article, c'est qu'elle montre expérimentalement que des tissus biologiques soumis à un rayonnement, un flash de lumière, continue ensuite au bout d'un certain temps à émettre de la lumière. La courbe qui est en haut, vous ne la voyez pas très bien, mais peu importe, ça représente en fonction du temps l'émission de lumière par des cellules. Donc ce qu'il a montré, ce gars-là, c'est que les cellules émettent de la lumière de façon... elles emmagasinent de l'énergie et puis elles la réémettent sous la forme d'un rayonnement extrêmement faible. Bon. Et c'est un rayonnement qui a certaines propriétés physiques particulières d'après ces mesures. Et vous voyez ici, c'est un article de physique, hein, c'est vraiment de la mécanique quantique, voilà, c'est quelque chose de très technique. En toute honnêteté, moi je comprends à peu près, disons, les différentes étapes du raisonnement qui sont dans son article-là, c'est un langage que je maîtrise à peu près, mais je peux pas vous dire si c'est révolutionnaire ou pas l'article-là. C'est pas mon domaine. Voilà, bon, ok, je veux bien croire que des cellules émettent de la lumière au bout d'un certain temps si elles ont été éclairées avant, pourquoi pas. À ce stade-là, je me suis posé la question, mais au fait, où j'en suis là? Je suis en train d'aller voir un article technique de biophysique d'un truc que je ne comprends pas. Quelle est la question que je me posais? La question que je me posais, c'est qu'est-ce que la médecine quantique? Et là, vous voyez que je me suis déjà beaucoup éloigné de mon but, quoi. Et en fait, il y a deux questions très différentes et je pense que j'étais en train là de m'intéresser à la mauvaise. Les deux questions très différentes qu'on peut se poser, à mon avis, c'est la suivante. Certes, qu'est-ce que c'est, mais comment ça marche et est-ce que ça marche? Peut-être les gens ont envie de savoir, c'est médecine quantique et médecine, est-ce que ça soigne des gens? Là, je n'ai pas du tout abordé la question. Et je ne veux surtout pas laisser penser que d'arriver à comprendre comment est-ce que ça marche éventuellement, c'est-à-dire que si les justifications que donnent les personnes ici sont correctes, ça ne veut pas du tout dire que, effectivement, ça soigne les gens. Si on s'intéresse à de la médecine et à des protocoles qui permettent de soigner des gens, il ne suffit pas de dire « oui, voilà, j'ai des équations qui me disent que ça marche ». Il y a d'autres manières de faire ça. Et je pense que c'est de ça qu'on va pouvoir parler notamment avec Christophe. Donc, je m'arrête ici pour cette présentation, effectivement, de ce que m'a inspiré le mot « médecine quantique ». Donc, je vais inviter Christophe Michel à venir ici. Donc, certains le connaissent probablement. Donc, s'il fait la chaîne vidéo Hygiène mentale, dont voici le logo ici, à la limite, je vais te laisser te présenter. Ensuite, j'aurai quelques questions à lui poser, mais je vous laisserai la parole aussi. Hein. S'il est là, profitez-en si vous avez des questions à lui poser. Je me présente tout seul. Vas-y. Eh bien, moi, je suis ravi de vous voir là tous aujourd'hui parce que ces locaux-là, je les connais bien. C'est ici que moi, j'ai fait mes études. Je crois que j'ai participé à user les mêmes bancs avec le fond de ma culotte que vous êtes en train d'user en ce moment, avec le fond des vôtres. J'ai fait des études de sciences, de la physique, pendant des années ici. Et je crois que j'ai pu rencontrer des enseignants, un peu comme Richard, qui ont su me donner la curiosité de la méthode scientifique et puis qui m'ont convaincu que c'était intéressant.
et que ça valait le coup d'essayer de voir si on pouvait trouver des moyens de trier le vrai et le faux, de faire des recherches sur la réalité pour essayer de savoir le fonctionnement du réel. Puis je l'ai fait, je crois, dans une sorte de quête même de spiritualité. C'est-à-dire, j'avais abandonné l'idée de trouver les révélations divines, spirituelles, transcendantes, déjà au lycée. Et je me disais, non, c'est trop compliqué. C'est pas que ça doit être impossible à faire, mais j'y arriverai pas. Et ce que je voulais, c'était déjà savoir comment fonctionne le monde, pour essayer de savoir s'il y avait des règles au début de l'univers qui avaient été posées par c'est quelle divinité. Puis essayer de savoir c'est quoi les règles qui font que les particules avancent, que les planètes tournent, que le corps humain fonctionne. Et du coup, ça m'a fait traverser pas mal de champs de la science assez pluridisciplinaire. Mais j'en ai pas fait mon métier. J'ai fini par me lancer dans mon autre passion, c'était l'infographie. Puis maintenant, j'enseigne l'infographie, donc je fais de la formation logicielle sur des logiciels d'infographie. Et c'est que dernièrement, là, depuis les trois dernières années, que me rendant compte que j'ai toujours ces deux centres d'intérêt assez différents, qui n'ont a priori pas de lien, d'essayer de les réunir pour essayer de faire des vidéos de vulgarisation de la méthode scientifique avec des dessins animés. Alors je voulais dessiner tout avec des animations en 24 images par seconde, mais c'est trop long. Alors bon, c'est surtout des schémas. Voilà, j'essaie de schématiser par infographie mes réflexions sur la méthode scientifique. Parce que moi, je l'ai utilisé beaucoup sur les phénomènes paranormaux. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut appliquer cette méthode que les prédécesseurs de Richard m'ont enseigné pendant des années aux phénomènes controversés? Est-ce que les ovnis existent, les fantômes, la voyance, la télépathie, la radiesthésie? Est-ce qu'on peut trouver de l'eau avec des baguettes de sourcier, etc. Et donc, je me suis investi dans une association grenobloise qui s'appelle l'Observatoire Zététique, qui a pour objectif d'essayer de réfléchir à tous ces sujets extraordinaires. Ce n'est pas seulement paranormal, c'est tout ce qui touche aux phénomènes qui ne rentrent pas totalement dans les cadres des théories scientifiques actuelles. Et puis d'essayer de voir si on peut essayer de monter des protocoles scientifiques, pas forcément rigoureux, parce qu'on est une association et qu'on a zéro budget, mais c'est surtout un prétexte pour parler de l'épistémologie, de qu'est-ce que le vrai, le faux, qu'est-ce que la réalité, est-ce que la réalité est vraiment accessible au cerveau humain, est-ce qu'il y a des méthodes pour essayer de faire le tri entre ce qui appartient au réel et ce qui appartient à l'imaginaire. Et puis plus je réfléchis à ces questions, et plus je me rends compte qu'en fait c'est pas aussi simple que ce que je l'imaginais au début, que ça demande plein de se poser plein de questions sur l'épistémologie. Et un de mes regrets, c'est que ici, dans cette fac, j'ai jamais eu un seul cours, pas une seule heure, de méthodologie scientifique, d'épistémologie, de comment ça marche ce système des publications scientifiques avec revues par les pairs, pas une seule heure. Mmh. Moi, on m'a appris les résultats de la science. Donc la science, elle a dit ça, apprends-le par cœur. Si j'apprends par cœur et que je le réécris dans la copie, j'ai une bonne note. Mais par contre, je vois bien que j'aurais aimé qu'on m'explique comment on fait en vrai pour avoir ces résultats-là, d'où ils sortent, parce que l'histoire des sciences est tumultueuse et fascinante. Et rien que donner des cours de histoire des sciences au fur et à mesure quand on enseigne les sciences, ça permet de savoir tous les écueils dans lesquels nos prédécesseurs sont tombés pour arriver aux théories qui sont actuelles. Et puis ça permet aussi de découvrir plein de théories incroyables qui se sont avérées fausses avec le temps, mais qui valaient vraiment le coup d'être essayées et d'être développées, de faire des expériences dessus pour les vérifier. Et elles sont tombées dans l'oubli. Et on fait comme si elles n'existaient pas, et on cache sous le tapis, en considérant peut-être que c'était des erreurs. Mm-hmm. Je ne sais pas, des erreurs, il y a des moments où ça valait le coup d'essayer. Par contre, on continue à les défendre encore aujourd'hui, des siècles après. Voilà, c'est là où serait l'erreur. C'est de continuer à insister trop longtemps face au manque de preuves. Ok. Du coup, cet appel, c'est un bon endroit pour le lancer. Ça sera relayé, d'accord ? J'espère. On te réinvitera dans un autre cadre, très bien. Et médecine quantique, du coup, ça évoque quoi pour toi ? Alors, ça, je crois que ça a même été la porte d'entrée dans mon activité dans le scepticisme scientifique. C'est-à-dire la méthodologie scientifique plus que les expériences, les laboratoires, etc. En fait, vu que j'ai eu un petit background de quelques années universitaires de sciences, en particulier sur la physique moderne,
la relativité, la physique quantique. Je pense que j'avais à peu près compris au moins les définitions de vocabulaire qu'on essayait de m'inculquer. Et sans être particulièrement bon dans le domaine, je pense que je voyais à peu près ce que sous-tendaient ces équations, ces concepts. Et depuis tout le temps, j'ai été toujours choqué de voir quand ce vocabulaire-là est maltraité par certaines communautés qui l'utilisent de travers, soit de façon malveillante, mais ça c'est très rare, la plupart du temps en pensant y voir des interprétations et en pensant voir dans les équations de la physique une explication des mystères de l'être humain, du cosmos, de la spiritualité, du divin, et d'essayer de fouiller les équations de la science pour y trouver la preuve de l'existence des fantômes, des esprits, des anges gardiens, etc. Et donc j'ai toujours eu les bras qui me tombent à chaque fois que je vois quelqu'un utiliser les termes que tu as montré tout à l'heure dans les slides avec une autre définition que celles qui sont dans les livres de science. En fait, je me rends compte maintenant qu'il y a des communautés différentes. Il y a les scientifiques dans les laboratoires qui ont leur théorie scientifique avec du vocabulaire très précis. Et il a fallu des siècles pour mettre vraiment des concepts bien définis sur chacun des mots. Puis il y a d'autres communautés très différentes, plutôt spiritualistes, qui utilisent le même vocabulaire. Mais par contre, ils ont des définitions très différentes. Les deux communautés utilisent les mêmes mots, quantique, énergie, ouais, magnétisme, énergie positive, énergie négative. On sent bien qu'il y a une sorte de signe. Énergie positive, c'est pas du tout dans le sens où tu l'entends toi, que ma tante Gudule l'utilise quand elle me parle de m'envoyer des bonnes ondes positives pour mon examen. Vibration, harmonie, c'est que des termes qui ont un sens dans la physique, qui ont un autre sens dans la spiritualité. Et du coup, vu que c'est le même vocabulaire, ça crée des dialogues de sourds où il y a des gens qui se répondent. Chacun a l'impression de bien savoir de quoi on parle, sauf que les deux parlent de choses totalement différentes. Et moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait du vocabulaire qu'on doit trouver pour des nouveaux concepts. La science fait ça tout le temps, elle prend un mot du langage courant, ouais, bien sûr, et elle lui donne une signification à elle, qui du coup, il y a deux définitions qui divergent. Donc ce n'est pas pour dire que les définitions de la science doivent être meilleures, et c'est celles qu'on doit utiliser. Moi, je m'en fiche du mot qu'on utilise. Le tout, c'est d'être bien conscient qu'il y a plein de mots dans les conversations. Chacun l'utilise dans des définitions très différentes et du coup, ça mène à une incompréhension qui peut parfois mener jusqu'à la schizophrénie. Mmh. Et du coup, dans votre association là, de zététique, vous essayez un peu quand même de mettre en relation les gens qui parlent ces vocabulaires différents, j'imagine. C'est exactement ça. Notre objectif, c'est au lieu de faire du débunkage, c'est-à-dire prendre quelqu'un qui raconte n'importe quoi, montrer le n'importe quoi qu'il raconte, avec les preuves que c'est du n'importe quoi, pour l'humilier. Ça coupe la conversation. Ouais, c'est rigolo quand même. C'est rigolo à faire de temps en temps. Pardon. Et même, ça peut faire changer d'avis certaines personnes qui étaient mitigées, qui ne savaient pas trop quoi penser. Face à un bon débunkage, ah ouais, non, en fait, c'était vraiment de la merde. Mais ça coupe toute collaboration possible. Et si on veut essayer de créer de la connaissance, faire des protocoles pour essayer de mesurer le don particulier de quelqu'un, ou son pouvoir de magnétisme ou de thérapie quantique, il faut pouvoir faire plusieurs réunions de travail, qu'on puisse, dans une entente conviviale et sympathique, travailler ensemble sur l'élaboration d'un protocole, vérifier nos statistiques pour essayer ensemble, en équipe, d'accéder à de la connaissance, créer des nouvelles connaissances. Et donc le débunkage, c'est ça coupe toute communication et après c'est juste un affrontement où il y a des clans, des parties, une guerre de tranchées où chacun reste sur sa position et personne ne bouge. Et donc c'est pas du tout notre objectif. Nous, au contraire, il faut qu'on essaye d'abord, de comprendre la pratique pour de vrai, c'est-à-dire d'arriver à mettre de côté les définitions de tous ces mots-là que j'avais jusqu'ici et d'essayer de comprendre ce que la personne, mon interlocuteur du moment, entend par vibration. Qu'est-ce qu'il entend par taux vibratoire? Qu'est-ce qu'il entend par énergie? Et en comprenant vraiment sa pratique, on peut essayer de voir s'il est possible de mettre en place un protocole de vérification pour voir si effectivement sa pratique est efficace, si ta thérapie soigne, s'il peut vraiment lire dans les pensées ou déplacer les objets. Du coup, justement, tu peux raconter ce que tu m'avais raconté l'autre fois, le test avec le radiesthésiste là. Je trouvais ça assez étonnant, toutes les précautions justement que vous avez prises et comment vous avez bossé avec ce gars. Tu peux rappeler ça, hein? Une des prétentions assez connues, c'est relatif à l'autre définition du mot magnétisme, dont tu avais tout à l'heure. Et au fil du siècle dernier, ce mot magnétisme, il a pris une connotation un petit peu plus
magique, intangible, qui n'a rien à voir avec les charges électriques qui se meuvraient, mais qui permettrait peut-être à l'être humain de détecter des poches d'eau souterraines avec soit une baguette de sourcier, soit des baguettes en métal, soit un pendule. Et ça se teste. Ce n'est pas quelque chose qui appartient au domaine de la croyance. Ce qui appartient au domaine de la croyance, c'est des trucs sur lesquels il n'y a aucun protocole qu'on puisse établir pour le vérifier. Par exemple, l'existence de Dieu, ou le fait que le Christ soit venu sur Terre pour être notre sauveur. Ça, je ne vois pas un protocole qui permet ni de l'infirmer, ni de le vérifier. Par contre, je peux détecter de l'eau avec mes baguettes, ça on peut le faire. Donc monter un protocole scientifique, ben, en fait, quand on n'a pas l'habitude, c'est très simple de se planter, puis de faire les choses un peu de travers. Et donc, il faut un petit peu avoir de la rigueur. Les paramètres les plus importants, c'est de faire en aveugle. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr que le praticien ne sache pas s'il y a de l'eau ou pas. Parce que s'il sait que l'eau, elle est là et qu'elle n'est pas là, nous, on avait mis des tuyaux d'eau sous une estrade. Et puis, on peut faire couler ou pas l'eau dans le tuyau numéro 1, 2 ou 3. Et le praticien, avec sa baguette, peut passer sur l'estrade et dire « bon ben là, c'est ce tuyau-là qui est en train de couler ou tel autre ». Mais s'il sait que c'est tel tuyau, même de bonne foi, il peut hésiter entre savoir est-ce qu'il l'a deviné avec ses baguettes ou est-ce que c'est juste qu'il le sait parce qu'il a vu qu'on allait tourner son bien. Donc il faut que ce soit en aveugle. Il faut bien sûr que ce soit aussi en double aveugle, parce que s'il y a sur place les expérimentateurs qui, eux, savent quel tuyau est en train d'être activé, il y a de la communication non-verbale qui peut passer. Même de donc, façon double aveugle, tu peux préciser alors, ce que ça veut dire. C'est qu'il faut que l'expérimentateur lui-même ne soit pas au courant. D'accord, personne ne sait en fait dans la salle. Dans tout le jardin, ouais. Il faut qu'il n'y ait personne qui sache quel tuyau est activé. Okay. Du coup, on va faire trois équipes. On fait une équipe de randomisation qui ne doit pas choisir le tuyau qu'on va allumer, mais le tirer au sort, parce qu'on a une très mauvaise gestion du hasard, l'être humain. On croit qu'on fait du hasard en disant 3, 2, 3, 3, 1, 1, 2. En fait, bon, c'est pas hasard, on étale beaucoup trop des fois, c'est 6 fois de suite le 3, ça arrive au hasard. Donc il faut qu'il y ait une équipe de randomisation qui tire au hasard et qui allume les robinets, qui soit complètement à part et qui ne communique pas du tout avec personne. Et seulement avec des petits bips sonores pour ne pas faire passer de la communication non verbale, on fait expérience et puis on fait une centaine de tests. Et puis avec 100 tests, bah, on peut voir si le praticien y arrive plus que le hasard. Déjà c'est compliqué parce qu'il faut un petit peu de statistiques. Donc il n'y a pas besoin de s'y connaître en science, il n'y a pas besoin d'avoir un background de scientifique pour faire ce genre de protocole. Le seul prérequis, c'est quelques notions de statistiques, parce que c'est très facile de mal interpréter les résultats. Sur trois tuyaux, on pourrait attendre du hasard que quelqu'un qui n'ait pas de don, il arrive dans 33% des cas. Donc il arrive à te faire 33 réussites. Mais s'il fait 35 réussites, hein, c'est plus que le hasard. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va décider que c'est bon, il a un don? Il a réussi 35 fois, alors que s'il n'avait pas de don, il aurait réussi 30 fois. C'est peu. Voilà. Donc, par contre, s'il réussit dans 90% des cas, ah, là je dis, ok, là d'accord, là je dis qu'il a un don. Du coup, il faut que j'arrive à trouver un seuil. Ok, 33, 34, 35, je vois bien que ce n'est pas assez. C'est des trucs qu'on peut arriver par hasard, c'est autour de 33, mais c'est pas exactement. Donc, il faut arriver à trouver le seuil à partir duquel on va dire, ok, le test est significatif. Et en dessous duquel, on va dire, bon, bah, on va considérer que vu que c'est possible que ça se fasse par hasard à ce résultat-là, ça va juste être du hasard. Il se trouve que dans l'histoire des sciences, à peu près toutes les disciplines se sont mises d'accord pour un seuil de 5% de chance. C'est-à-dire que si une expérience avait en fait moins de 5% de chance d'arriver à faire ce résultat-là par hasard, alors on va juste considérer que bah, c'était le hasard. Voilà. Donc on va juste rester sur ce qu'on appelle l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, c'est bah, il a répondu un peu au pif et puis il y a eu un peu de bol. Voilà. Par contre, s'il y a moins de 5% de chance d'arriver à faire ça par hasard, alors là, on va dire que ça ne peut pas être juste dû au hasard, et que ça doit être autre chose. Alors soit il a un don de magnétisme, soit autre chose. Je sais pas, moi, il a un complice dans la pièce, il a un miroir qui lui permet de voir les robinets, ou c'est pas du magnétisme, mais c'est autre chose. Peut-être qu'il entend les tuyaux, voilà. Mais par contre, on peut éliminer l'hypothèse de « il répond au pif ». Et donc, ben, c'est ces seuils-là qu'il faut arriver à gérer. Ça demande un petit peu de statistiques. Et ce genre de protocole qu'on fait là, c'est surtout un prétexte pour, déjà, proposer un petit reportage à la télévision qui vient avec ses caméras pour filmer ça, vulgariser la méthode et puis parler un petit peu de méthodologie aux journalistes qui s'y connaissent très mal en méthodologie. Et puis, ça sert aussi à expliquer aux praticiens, à toute la communauté des radiesthésistes, comment est-ce qu'il faudrait faire pour valider ou mesurer un don? Parce que très souvent, ils ne savent pas faire. Et c'est très normal, parce que la population qui n'a jamais étudié ces genres de protocoles un peu carrés, qui ne sait pas comment faire,
Bah, il n'y a pas de raison qu'ils sachent pourquoi il faut randomiser les tuyaux, pourquoi est-ce qu'il faut faire un double aveugle. Donc ça s'apprend. Voilà, donc c'est une occasion de faire un peu de pédagogie. D'accord. Bon, en plus, ça me permet d'en parler en vidéo ou sur le blog de notre site internet. Et puis de faire un petit peu de l'éducation populaire à la méthodologie, puisque c'était un petit peu la discipline que je regrettais de ne pas avoir eue pendant mon cursus scientifique. Et du coup, ça donne quoi quand vous le faites avec des praticiens je vais te poser une fausse question. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? C'est-à-dire, est-ce que tu as des cas où effectivement les gens ont un don et, ou plus de cas où les gens n'ont pas? Bien sûr, ouais. Il y a des cas où on peut arriver à éliminer l'hypothèse nulle. Et ça, c'est très simple, parce que c'est des tests faits à 5%. Donc une fois sur 20, ça va arriver. Une fois sur 20, il y en a un qui a une hypothèse. Donc même dans l'hypothèse que absolument personne sur Terre n'a un don de radiesthésie, imaginons un univers, c'est pas forcément le nôtre, hein, où absolument personne n'a un don de radiesthésie, mais où on essaye quand même de faire ce genre de protocole. Bah, je peux attendre du hasard qu'une expérience sur 20 soit positive, puisque mon seuil, c'était 5%. Voilà. Et c'est, en fait, c'est comme ça en tous les domaines de la science, hein, en médecine, en biologie, en astronomie. Tous les protocoles, ils sont à peu près tous faits avec ce genre de seuil de 5%. Donc en médecine, quand on vous dit que tel produit, y a une étude qui montre que tel produit guérit le cancer, faut arriver à savoir combien d'autres études exactement semblables il y a eu. Parce que si on a eu 100 et qu'on vient juste tirer de ce grand panel d'études justement celle qui a donné un résultat positif en l'ayant choisi parmi un plus grand ensemble, ben, ça ne prouve rien. Il faut, la méthode sceptique, ça consiste principalement à comparer le résultat avec le reste. Ce n'est pas juste un résultat en valeur absolue qui est significatif, c'est en comparaison avec le reste pour le remettre dans le contexte. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut très difficilement faire parce que les éditeurs des papiers scientifiques, ils publient pas les résultats négatifs. Si un scientifique dans le laboratoire, là, dans le bâtiment d'en face, a un résultat qui, en fait, il n'a pas réussi à mettre en évidence l'action de tel médicament sur telle cellule du corps, il fait juste dommage. Et son étude, elle part dans la corbeille. Elle sera jamais éditée. Et le japonais qui est à l'autre bout du monde, si lui, il veut replacer son étude dans le contexte, il n'y a pas de contexte, puisque personne n'a jamais publié toutes les études négatives sur le sujet. Donc il a l'impression d'avoir une étude positive et qu'il est le premier à l'avoir fait. Donc du coup, ça a l'air significatif, mais c'est oublier le fait qu'en fait, il y a plein de gens qui avaient essayé, qui n'avaient jamais réussi à mettre en évidence. Ce qui prouve qu'il est peut-être dans les faux positifs, c'est-à-dire dans ces 5% qu'on peut attendre. Arriver à replacer dans le contexte, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur dans la pensée critique. Parce que c'est pas naturel. Ça s'apprend, il faut se canaliser pour le faire. En plus, j'imagine le pauvre gars qui dit qu'il est radiesthésiste et il tombe dans les 5% et il a bon, puis tu lui dis non, mais c'est peut-être du bol. C'est terrible. Et bien sûr, nous, les conclusions de nos protocoles, on les écrit avant, en accord avec le praticien, avant de commencer un quelconque test expérimental. On dira, si le résultat est en dessous de ces 5% attendus, alors voici ce qu'on dira sur notre blog. Et là, on écrit déjà l'article et on ne le touche pas à la fin. On ne va pas réinterpréter après coup. Et pareil, s'il est positif. Et même le praticien ne peut pas dire, ah oui, mais là, c'est négatif, mais c'est parce que, pour rationaliser a posteriori, les conclusions, on les écrit avant le test, et juste on publie la version des deux qui correspond au résultat du protocole. Ah ouais, d'accord. Souvent, on interprète a posteriori. Quelque chose qu'il faut éviter. Moi, j'ai encore des choses à te demander, mais je veux quand même laisser du temps pour que si des gens qui sont ici veulent poser des questions ou faire des remarques. Vas-y, ouais. J'ai une question pour ce truc. L'échantillon que vous avez pris, c'était que des personnes qui pensaient avoir un don de radiesthésie ou c'était n'importe qui? Tu as bien raison de poser la question. Il faut définir à quelle question est censé répondre le protocole. Et il ne faut pas imaginer que le protocole il puisse répondre à d'autres questions que celui pour lequel il est fait. En particulier, l'affirmation Jean-Louis, ici présent, radiesthésiste depuis 30 ans, prétend pouvoir trouver de l'eau dans les tuyaux mieux que la moyenne. C'est une prétention, ça se mesure. Et c'est ça qu'on a mesuré. C'est très différent de la prétention qui consisterait à dire les gens, avec un peu de pratique et leur baguette, peuvent trouver quel tuyau. Parce que si ça se trouve, c'est lui en particulier, il a un don. Soit c'est génétique, ça vient de sa famille, soit c'est un don divin, soit c'est, je sais pas, quelque chose comme ça. Et ce serait vraiment particulier à lui, et nous, on ne pourrait pas le faire. Ou alors, c'est tout le monde a la capacité de pouvoir le faire, et il suffirait juste d'un petit peu d'entraînement.
Et donc, du coup, soit on teste tous les gens de la salle là, on les fait passer un par un avec les baguettes et le tuyau pour voir s'ils réussissent. Un test positif, ça voudrait dire qu'en moyenne, les gens ont un petit don de radiesthésie dilué. Et c'est très différent que de choisir un radiesthésiste en particulier. Donc, nous, on a juste vérifié sa prétention à lui. Et on n'a pas validé la radiesthésie. On a juste validé la radiesthésie avec ce monsieur, dans mon jardin, avec ces tuyaux et cette estrade. Si ça se trouve, l'estrade, elle est faite d'un bois qui coupe le signal magnétique et que c'est pour ça qu'il n'a pas réussi. Donc ça ne veut pas dire que la radiesthésie n'existe pas si le test est négatif. Si le test est négatif, ça veut dire que dans ces conditions-là, on n'a pas réussi à mettre en évidence le test. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. C'est qu'on ne peut pas, avoir une étude qui prouve une théorie. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de la mettre au test, sur le challenge, sur le grill. Et puis, si on ne réussit pas, ben, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Si on ne réussit pas, ça veut peut-être dire qu'on s'y est mal pris. Donc ben, là, ce n'était pas la bonne lune. Ouais, mais c'est vrai que c'est le cas d'effectivement toutes les sciences. C'est ce dont on parlait pour ceux qui étaient là au dernier quart d'heure. Effectivement, on abordait la question. Et d'autres... Oui. Vous venez de démonter tous les tests sur les médicaments, parce qu'on peut dire que sur cette personne-là, parce que là, ça marche, bien sûr, ça va pas marcher sur une autre. Mais la prétention du vendeur de médicaments, c'est pas, elle n'est pas particulière à une personne en particulier. C'est tous ceux qui ont ce symptôme, s'ils prennent le médicament, leur symptôme va diminuer. Donc là, je peux prendre un échantillon significatif suffisamment grand de la population, faire le test. Si ça marche sur un échantillon suffisamment grand, bon, bah alors, j'ai toutes les raisons de penser que ça va marcher sur tout le reste de la population. L'erreur, ce serait effectivement d'essayer juste sur Jean-Louis. Il prend le médicament, on lui demande s'il va mieux. S'il va mieux, on dit c'est bon, ça marche. Et là, effectivement, on ne peut pas extrapoler au reste de la population. Mais ces genres de problèmes-là, ils sont récurrents, en médecine en particulier, parce que si on fait des essais sur les souris et que ça marche sur la souris, tout de suite, on a envie de faire un papier titrant exclusif, deux points, une étude de chercheur a prouvé que manger du jus de carotte cuit au citron guérit le cancer, quelque chose comme ça. Et puis, pire, il y a pas mal d'études qui sont faites juste avec des cellules dans une boîte à pétri. Et si jamais il y a un produit qu'on met sur une cellule cancéreuse, et puis ça réduit les cellules cancéreuses, les journalistes, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire un gros titre disant « C'est prouvé, le jus de gingembre guérit le cancer ». Quand on a ce genre de titre, il faut toujours garder à l'esprit que ouais, peut-être le jus de gingembre, ça tue le cancer. Mais une balle de pistolet aussi, dans la boîte à pétri. Hein. Ma chaussure aussi. Hein. De l'acide chlorhydrique aussi. Donc les conditions réelles dans l'être humain, c'est très différent dans une boîte à pétri. Et arriver à faire le tri dans toutes ces études-là, ben, c'est pas à la portée de tout le monde, parce que les études scientifiques, elles sont souvent en anglais. C'est plein de chiffres, de schémas. C'est du vocabulaire spécifique dont les chercheurs entre eux connaissent très bien une définition spécifique, mais dont moi, lecteur, je vais peut-être utiliser la définition du langage courant, et donc je vais peut-être me faire de fausses idées. Donc moi qui suis un simple citoyen, moi, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas scientifique, arriver à trouver des moyens pour me faire une idée sur des questions scientifiques un peu controversées, ben c'est compliqué. Voilà. C'est difficile. Il faut arriver à télécharger les études déjà, parce que souvent elles sont payantes, elles sont difficiles d'accès. Le grand public n'y a pas forcément accès. Et moi, je trouve que c'est un vrai problème. Ouais. Moi, pourquoi je milite en particulier, c'est de réfléchir à des moyens de rendre accessible la connaissance scientifique aux citoyens éclairés qui n'est pas scientifique, qui ne travaille pas dans un laboratoire, comme moi, pour qu'ils puissent avoir accès à ça et se faire une idée sur des faits et pas seulement sur les croyances d'un journaliste qui a écrit ça dans la Femme actuelle. Ouais, mais alors tu vois là, enfin, pour le cas de ce pop là avec sa luminescence, delay luminescence là, enfin, moi j'estime être physicien compétent dans certains domaines et la mécanique quantique c'est un peu à l'intérieur de ce domaine là, je la comprends et j'ai pu l'enseigner, etc. Moi je suis pas capable de dire, enfin je peux comprendre les équations, etc., mais je suis pas capable de dire si les affirmations qui sont faites derrière, biologiques et tout ça, elles sont valides et pertinentes. Donc je me dis, si moi en tant que physicien professionnel, j'arrive pas à séparer le bon du mauvais, comment est-ce qu'on peut demander au citoyen lambda de le faire, quoi? Alors, c'est quand même un peu possible, parce que la pensée critique, c'est pas uniquement évaluer la validité des prémices dans un argument.
dans un argument aristotélicien, il y a les prémices. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Donc les prémices, elles peuvent être vraies ou fausses. Et puis la validité de l'argument qui passe des prémices aux conclusions, il peut être valide ou invalide. Et parfois, on n'a aucune idée de si les prémices sont vraies ou fausses, mais on peut tout à fait mettre le doigt sur l'argument qui est invalide. Et du coup, quelles que soient les prémices, même si c'est vrai, même si c'est faux, si on ne peut pas déduire C à partir de A et B, que A et B soient vrais ou faux, peu importe, si le lien entre les deux, on ne peut pas déduire C à partir de A et B, alors on peut rejeter le raisonnement même sans avoir la preuve que A et B sont vrais. Donc, repérer les failles de raisonnement, ben, ça, c'est un grand classique. Mmh. Et ben, là, j'ai quelques citations que tu as dû trouver, toi aussi, en fouillant dans ce monde incroyable dès qu'on essaie de taper médecine quantique dans un moteur de recherche. Et le gourou de la médecine quantique, c'est Deepak Chopra. Et lui, il a un raisonnement qui fait qu'il propose une sorte de métaphore entre les choses mystérieuses de la physique quantique, la dualité onde-corpuscule. Pour lui, c'est une sorte de métaphore de l'esprit et du corps. C'est-à-dire que le corps matériel, c'est le véhicule que mon esprit, mon âme habite. Et que donc tout ce que l'on peut dire sur cette dualité onde-corpuscule dans les équations, on peut faire une sorte de parallèle exact sur le corps, la matière et l'esprit. D'accord, il transpose directement le truc. Voilà, il transpose, il dit ben, tout ce que la physique quantique prouve sur les ondes ou sur les particules, ben ça signifie que mon âme agit sur le corps et que donc si je réfléchis, si je pense suffisamment à la guérison de ma jambe blessée, je vais agir dessus et je peux modifier la matière, je peux modifier les consciences, je peux modifier le temps qui fait, rien qu'avec ma pensée. Et là, je ne sais pas si l'âme existe. Et j'ai même pas besoin de le savoir. Parce que le simple fait qu'il fasse juste une analogie entre les deux, c'est juste une analogie douteuse, qui n'est pas du tout une preuve matérielle. Et que même si tout ce que dit la physique quantique est vrai, ça ne veut pas dire que sa dualité âme-corps soit vraie aussi. Donc c'est juste le raisonnement qui est fallacieux. Et quelles que soient les études de ce monsieur sur la bioluminescence, en fait, peu importe. S'en fout quoi. Ouais, ouais. Moi, ce que je veux voir, c'est les résultats thérapeutiques. Voilà. Si jamais la médecine quantique arrive à avoir des résultats significativement meilleurs que le hasard pour guérir les gens, dans des études cliniques avec un grand nombre d'échantillons de patients randomisés, alors là, je serais convaincu. Et je serais convaincu, pas parce que l'argument est valide, je serais même pas convaincu parce que j'ai prouvé que les prémices étaient vraies. Je serais juste convaincu face aux faits. Apparemment, je ne sais pas ce que tu fais des machins, des guéris, des prières, ça soigne, j'achète, je le veux. On le met dans les hôpitaux, on s'en sert. Si ça marche, ça me va. Voilà. Je suis plutôt évidentialiste plutôt que rationaliste. Voilà. C'est-à-dire que je ne demande pas les démonstrations des trucs pour les accepter comme vrais. Même si un truc il n'est pas démontré, je suis prêt à l'accepter comme vrai si, dans les faits, ça marche. Ah bah, par exemple, pendant longtemps, on m'a expliqué le théorème de Pythagore, qu'il était démontré. Et pendant longtemps, j'ai cru au théorème de Pythagore comme on peut croire aux fantômes, comme on peut croire à Dieu, parce qu'il est démontré. Mais en fait, seulement très tard dans ma vie, que je me suis rendu compte que même s'il n'était pas démontré, qu'on n'avait pas de démonstration du théorème de Pythagore, ben j'y croirais quand même. Parce que j'ai essayé un triangle équilatéral, j'ai mesuré ça au carré plus ça au carré, ça fait ça au carré. J'en ai essayé un deuxième, un troisième, un quatrième, un long, un large, un plat, un grand, un petit. Je demande à tout le monde, faites des triangles équilatéraux et vérifiez. Dès qu'il y en a un qui trouve un triangle équilatéral où ça ne marche pas, alors là, on pourra balayer et mettre à la poubelle la théorie. Apparemment, jusqu'à là, personne n'a réussi à trouver un triangle pour lequel ça ne marche pas. Donc même s'il n'était pas démontré, juste par cette inférence de preuves matérielles, ben je l'accepterai, j'aurai quand même confiance en elle. Mais dans le cas de la médecine quantique ou des choses un peu similaires, c'est quand même assez irréaliste, disons, comme espoir, je veux dire, de tester ça, parce que faire des études médicales, c'est quand même un truc qui est super long, ouais, coûteux, etc. Et il y a des milliards d'autres trucs
plus vraisemblable, ouais, on va dire, à tester en priorité que, ouais, que ça. Donc, et ça, c'est un peu dans le problème avec les gens aussi, quand on discute, les gens disent, ouais, mais vous, les scientifiques, vous êtes fermés, ouais, vous, allez, vous, vous croyez dans ça, donc c'est ça que vous allez tester. Moi, parce que c'est la science officielle. Les laboratoires ne s'intéressent pas plus à ça. Je regrette que les médecins ne passent pas plus de temps à vérifier ces genres d'allégations-là, ou même sur les autres sujets, pas forcément médicaux, hein, rien que sur les ovnis, les fantômes, etc. Mais je comprends pourquoi. Comme tu viens de le dire, on a essayé plein de fois les siècles derniers. Bon, globalement, il n'y a pas des résultats super probants, donc c'est peut-être le moment d'arrêter les frais. Et puis en plus, un chercheur, si jamais il commence à essayer d'étudier la voyance, la parapsychologie, la télépathie ou quelque chose comme ça au début de sa carrière, je vois bien que ça va être difficile pour le reste de sa carrière parce que c'est assez mal vu. Je trouve ça dommage. Ouais, ouais, mais ce n'est pas forcément ce qui l'intéresse non plus. Hein. Enfin... Et ben moi, j'aimerais qu'il y ait des gens qui s'intéressent, ouais, à ça. Ouais, ouais, donc ouais. Du coup, ben, si ce n'est pas, ben, les fonds publics dans les universités, ben, c'est que ça doit être dans les associations et qu'il doit y avoir des groupes sceptiques qui s'intéressent vraiment à ça, sincèrement, pour essayer, en partenariat avec les praticiens, de faire des protocoles qui soient un peu carrés. Et en France, il n'y a pas beaucoup de parapsychologie. Dans le reste du monde, il y a des laboratoires très sérieux avec des fonds publics ou des fonds d'université pour essayer de mesurer ces genres de trucs-là, la télépathie et tout comme ça. En France, rien, zéro. Donc ben, moi, ce que j'aimerais, c'est essayer de trouver, ben, je crois, il y a des moyens, même si c'est associatif, pour essayer de fédérer des communautés de croyants et de sceptiques qui travaillent ensemble à faire des protocoles un peu carrés pour continuer un petit peu la recherche sur ce sujet, parce que je vois bien qu'on ne peut pas demander aux laboratoires financés avec du budget de s'y pencher. Quoi. Vous êtes combien, vous, dans votre association, à travailler Sur les doigts d'une main. D'accord, d'accord. Et en France? Il y a quelques associations sceptiques en France, et puis il y a des associations de tenants aussi, mais qui ont une véritable envie. Alors le tenant, ça c'est un mot que t'emploies. Ouais, alors moi j'aime pas croyant parce que souvent le mot croyant ou croyance, il a un double sens. Il y a deux façons de croire différentes. Soit je crois par un acte de foi où j'ai pas besoin de preuves. Et moi, ma tante Gudule, quand elle me dit qu'elle croit en Dieu, elle a pas de preuves. Elle a droit, mais quelles sont tes preuves? Pas de preuves, juste j'ai la foi. Et moi, ça me va très bien. Une croyance qui est juste un acte de foi, où la personne prétend pas avoir des preuves matérielles, vérifiables et reproductibles, moi, ça me convient tout à fait. Par contre, quelqu'un qui a une croyance, mais qui pense que cette croyance est soutenue par des preuves, ça, c'est très différent. Parce que là, je veux bien lui demander ses preuves, les évaluer. Si je trouve que ces preuves, elles sont toutes moisies, le lui dire. Les preuves, elles sont toutes moisies. Et juste l'appeler croyant, ça fait une sorte d'ambiguïté entre ces deux façons de faire. Et donc j'aime bien tenant, parce que c'est quelqu'un qui tient à sa théorie. C'est-à-dire qu'il y croit, mais parce qu'il tient des preuves et des arguments valides qu'on peut regarder. Voilà. Moi, je m'adresse que aux tenants, les croyants, rien de particulier à leur dire. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut. D'autres gens ont des... Alors ce rôle-là que tu exposes, je pense que tu fais vraiment super bien dans les vidéos, donc dans l'hygiène mentale. Il y en a qui ont regardé un peu ça, qui connaissent l'hygiène mentale, ouais, quand même, ouais, oui, beaucoup, d'accord. Donc bon, c'est fait avec beaucoup d'humour et en plus ça gâche rien, quoi. Moi je me pose la question, quel retour tu as sur ça? Moi je t'imagine avec ta boîte mail pleine de mails injurieux, de personnes qui disent « mais pour qui vous prenez ?» etc. Incroyablement pas du tout. Non. Non. Tous les retours que j'ai sur tous les réseaux sociaux, les Twitter, les mails, les commentaires sous les vidéos, dans la très grande majorité, ils sont enthousiastes, même de la part des tenants particuliers. J'ai fait des vidéos sur des sujets un peu controversés. Je sais bien que dès qu'on touche à l'énergie libre, à Tesla, etc. Arrête, ça y est, là, c'est moi qui les reçois les mails. Donc, y a plein de tenants de l'énergie libre qui m'ont écrit. J'ai même fait une vidéo sur peut-on prouver l'existence ou l'inexistence de Dieu et quelles sont les raisons de croire ou d'être athée. C'est un sujet un peu touchy. J'étais assez, j'étais assez angoissé au moment de la mettre en ligne. Au moment de mettre la vidéo en ligne sur les réseaux, mon doigt a tremblé. J'ai fait une petite prière à tous les dieux que je connaissais en me disant « j'espère que ça va bien se passer ». Et contrairement à ce que j'attendais, j'avais déjà plein de contre-arguments préparés pour faire face à une sorte de levée de bouclier. Pas du tout. Les gens que je touche au premier cercle sont plutôt des sceptiques, plutôt enthousiastes, plutôt athées. Et après, la vidéo, elle s'est partagée même dans les milieux des croyants de toutes confessions confondues, musulmans, catholiques. Ils se sont échangés entre eux, ils en ont discuté dans les paroisses, et tous les retours qu'ils m'ont fait, ils étaient polis
et constructif. Je n'étais pas toujours d'accord, hein, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord, mais j'ai mon hypothèse, c'est que le retour que l'on a des gens, il est sur un ton soit convivial, soit agressif, qui est proportionnel à celui qu'on a employé. Moi, j'essaye toujours d'être avoir de la distance, d'être pas dans la confrontation, d'être jamais employé de gros mots. Je ne traite personne ni de charlatan, ni de crédule. C'est des mots que je me refuse à employer. Et du coup, je pense que c'est un peu pour ça que les retours sont eux aussi polis et constructifs. Et ça permet d'avoir des discussions qui sont vraiment incroyables. Et dans les fils de commentaires sous mes vidéos, il y a parfois des discussions très longues avec des gens qui ne sont pas du même avis. Mais ça se passe bien. Ça s'insulte pas, et ça, sur les internets, c'est assez rare, trop rare pour que ce soit notable. Mmh. Vous avez des questions, vous ? Non, toujours pas ? Je pose la question régulièrement, parce que oui, allez-y. Est-ce que vous Tu peux répéter juste la question qu'on l'ait pour le... Ouais. Alors, vous me parliez d'un physicien qui s'appelle Philippe Guillemant, qui lui a, un peu comme moi, une fesse sur deux chaises. Il est à la fois scientifique, physicien, il enseigne, il a étudié le sujet. Et quand il parle de physique quantique, je vois bien qu'il a compris les équations, je vois bien qu'il s'est documenté sur le sujet. Et je sens bien qu'il pourrait avoir des conversations avec Richard tout à fait construites en utilisant le même vocabulaire. Mais il a aussi une activité plus publique où il est assez partisan et conciliant avec toutes ces hypothèses spiritualistes dont on parlait tout à l'heure sur l'influence de la conscience sur la matière et que la physique quantique est justement une preuve que notre conscience peut influer sur la matière. Et du coup, ben, il a un vocabulaire scientifique, il a une crédibilité scientifique puisqu'il a vraiment fait des recherches. Et du coup, ça lui donne une sorte de ce qu'on appelle un argument d'autorité qui fait que quand lui, il s'exprime sur ces sujets, il a beaucoup plus de portée et de crédibilité que quand c'est ma tante Gudule qui parle de physique quantique, quoi. Donc ben, je suis assez ambivalent parce que ben, on ne peut pas le taxer d'ignorance sur le sujet. Je pense qu'il connaît bien le sujet, il a compris ce que c'est la mécanique quantique, il a compris ce que c'est la décohérence et que ça ne peut pas être à grande échelle. Mais du coup, il concilie un peu les deux univers et il jongle. Voilà, pour moi, c'est une sorte de jongleur où il arrive à manipuler tous ces concepts-là et en faire une sorte de ballet virevoltant qui épate, qui est impressionnant. Et voilà, c'est assez difficile à traiter. Vous me parliez donc de ses théories sur la synchronicité. Lui, donc, ce qu'il entend par là, c'est les coïncidences de la vie. Il a l'impression qu'il y a du sens derrière les coïncidences des choses. Il y a des choses qui arrivent en même temps dans le monde, et c'est un signe. Ou il y a des choses qui arrivent dans les mêmes circonstances à une personne, et il y a des liens à faire. Et ben, ça pourrait être un champ d'études statistiques, pour essayer de mesurer les chances qu'il y avait que mon tonton d'Amérique m'appelle justement au moment où j'ai rêvé de lui la nuit dernière, pour essayer de mesurer, je ne sais pas, estimer le nombre de personnes auxquelles on rêve d'habitude ou auxquelles on pense qu'on n'a pas vu depuis longtemps, le nombre de coups de fil que l'on reçoit en moyenne par jour, essayer de voir si c'est extraordinaire. Ça pourrait s'évaluer, mais c'est très difficile à faire scientifiquement, parce que évaluer ces chiffres-là avec des vrais chiffres, c'est difficile. Voilà. Donc tout ce qu'on peut faire, ben, c'est essayer de voir si on ne tombe pas dans les biais les plus classiques et les plus courants. Voilà. Donc il y a des raisonnements de notre cerveau qui sont très classiques, on tombe tous dans les mêmes biais, juste essayer de les passer un par un pour voir si ça ne correspondrait pas, quoi. Et je sais qu'il y a un biais en particulier sur lequel moi-même, à chaque fois que je tombe dedans et que je m'en rends compte, je m'en veux, parce qu'il est vraiment bateau, c'est de confondre les chances de gagner au loto, qui sont très faibles, et les chances qu'il y ait un gagnant au loto, qui est toutes les semaines. C'est très fort, il y a tout le temps un gagnant au loto quelque part. Et on a, notre cerveau, il mélange un peu les deux. Et des fois, le fait qu'un phénomène ait vraiment très peu de chances d'arriver, ça m'impressionne.
mais c'est gravement sous-estimé le nombre de phénomènes qu'il y a dans le monde qui auraient pu arriver et qui ne sont pas arrivés. Donc c'est toujours replacé dans le contexte, comme je disais tout à l'heure, c'est comme l'étude positive que je tire d'un grand échantillon d'études négatives, je peux faire croire que c'est une preuve. Mais là, c'est un peu pareil, une synchronicité. Pour l'évaluer, il ne faut pas juste calculer les chances que ça arrive. C'est extraordinaire, il y a une chance sur un million que ça arrive. Mais cette chance sur un million, en valeur absolue, elle n'a pas de sens. Il faut que j'arrive à la comparer avec ce que je peux attendre du hasard. Et ça, faire un protocole un peu carré, scientifique, je vois bien que ce n'est pas trop possible. Voilà, donc là, ça sort un petit peu du champ de la science. Et donc du coup, bah, je n'ai pas trop d'avis, en fait. C'est juste que ça ne rentre pas dans les outils que j'utilise. La méthode scientifique n'a pas grand-chose à dire là-dessus. La psychologie, en revanche, comme tu le dis, c'est clair que le cerveau a du mal à estimer. Il y a d'autres champs qui m'intéressent, les biais cognitifs, et puis essayer de savoir comment résonne notre cerveau, comment se forgent nos croyances, quels sont les raisonnements qui font que l'on croit ou pas à quelque chose. Et donc là, la psychologie cognitive en particulier, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Le scepticisme, c'est vraiment une discipline transversale sur plein de domaines différents. Ça touche à la science, la psychologie, les statistiques, et puis il faut être un petit peu touche à tout. Pour essayer de ne pas se faire avoir par un de ces domaines sur lesquels on serait moins formé. Et alors, tu mentionnais tout à l'heure l'aspect formation lié à tout ça, que ça serait bien que les gens ils aient accès à des méthodes un peu tôt. Donc, tu vas dans les écoles un petit peu, non ? Tu fais des choses Moi, j'essaye de militer pour un peu d'éducation à la pensée critique. Pas en tant que cours tel quel sous son nom-là, hein. C'est-à-dire bonjour, aujourd'hui je suis le prof d'esprit critique, nous allons faire 2 heures d'esprit critique et puis à la fin de l'heure on repart à un cours normal. Non, il faudrait que l'esprit critique soit dilué dans tous les cours, qu'il y ait un petit peu de notion de pensée critique en histoire, c'est-à-dire au moment où il y a la liste de dates à apprendre par cœur, qu'on ne demande pas seulement à l'élève de les apprendre par cœur, qu'on passe un petit peu de temps pour l'expliquer pourquoi on sait qu'il s'est passé une bataille à cette date-là. C'est quoi les preuves qu'on a ? Les preuves archéologiques de la bataille, les témoignages des vainqueurs, à comparer aussi avec les témoignages des vaincus pour essayer de prendre du recul. Alors c'est très long, je vois bien qu'on ne peut pas faire ça sur tout le programme, d'essayer de faire de l'histoire des sciences et puis de la méthodologie, et puis expliquer tous les écueils et toutes les autres théories historiques que l'on a eues et que l'on a fini par éliminer. Donc il y a des moments où il faut apprendre par cœur, parce que c'est comme ça, vous êtes là pour apprendre, il faut apprendre. Mais il faut aussi qu'il y ait des moments où on puisse enseigner un peu la pensée critique. Et ça doit se faire à tous les étages. Donc moi, j'essaie de faire des ateliers pédagogiques, ou des conférences, ou des tables rondes, ou intervenir dans des classes, en primaire, au collège, au lycée. Je suis intervenu de temps en temps à l'université, comme ici. Ça m'arrive d'enseigner la pensée critique à la maison d'arrêt, à Grenoble, face à des publics qui sont plus en marge du numérique et de l'information. Et ça me permet surtout de faire de l'éducation aux médias, parce qu'une de nos conclusions que l'on a eues après toutes ces années d'études du paranormal, c'est qu'en cherchant les raisons pour lesquelles on forge nos croyances, je pense qu'il y a une certaine part de responsabilité des médias, la façon dans laquelle ils traitent ces sujets sexy, controversés, mystérieux, qui font que c'est un petit peu... ils ont une responsabilité dans toutes les croyances, les superstitions, etc. Et donc, avoir du recul sur les médias et essayer de faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui est faux, essayer de vérifier l'information, remonter aux sources de l'information, croiser l'information avec plusieurs sources pour voir si même les opposants disent bien la même chose ou pas, pour prendre un peu de recul, ça c'est pas inné. C'est pas parce que les digital natives, ils savent paramétrer les logiciels de façon naturelle avec leur tablette dès l'âge de 3 ans, qu'ils savent interpréter les informations. Voilà. Et donc, des plus jeunes aux plus vieux, personne n'est armé face à ça. Et donc, se former un peu à l'éducation aux médias, c'est-à-dire savoir comment fonctionnent les médias, c'est quoi leur modèle économique qu'il y a derrière. Comprendre que pour la plupart, aujourd'hui, maintenant, après les années 2000, c'est un modèle publicitaire. C'est-à-dire que ils vont être payés au nombre de vues, et plus quelque chose fait de l'audience, et plus ça peut être bénéfique au journal. Donc il y a une pression naturelle sur tous les journalistes à tourner de façon un peu plus sensationnaliste que ça ne l'est vraiment un sujet. Et c'est exactement les biais auxquels sont soumis Science et Vie, que tu montrais tout à l'heure. Le corps de l'article est souvent très correct, scientifique, parfait. Mais par contre, celui qui fait le titre de l'article, et encore pire, celui qui fait le titre de la couverture, c'est une autre équipe. Hein. C'est quelqu'un, il est spécialiste de la couverture, il sait ce qui accroche les gens. Couverturiste. Ça doit être une sorte de couverturiste. Et lui, il voit bien que ça parle de médecine, que ça parle de... Et donc, il faut qu'il fasse un titre du genre
C'est prouvé, Einstein avait tort, deux points, point d'exclamation, avec la tête de Einstein, avec une croix dessus. Bon, ça, voilà. Même si le corps de l'article, il ne dit pas vraiment ça, il dit que ben, peut-être il y a des cas où il vaut mieux utiliser la mécanique classique parce que c'est plus économique. Donc la façon de tourner les articles et les titres, surtout les titres et les vignettes, ben, ça guide la façon de voir des médias et du coup ça guide notre façon de croire ou de ne pas croire en toutes ces choses aussi. Quoi. Donc l'éducation aux médias, ça va l'air d'être une des premières pierres pour se forger un esprit critique. Non, bah, faudra qu'on t'invite ici, effectivement, avec des vrais étudiants, ce serait que, avec que tu leur parles. Ouais. Vas-y. Du coup, cet aspect un peu des médias, notre transit, c'est vraiment quelque chose qui s'applique un petit peu à tout, ça peut s'appliquer à des livres, à YouTube. Bien sûr. Et finalement, au-delà de quelque chose qui peut être critiqué, mais c'est aussi quelque chose qui attire un peu l'œil, qui peut attirer des gens qui forcément sensible sur des sujets. C'est de la publicité. C'est un argument publicitaire pour attirer le chaland. Mais une fois que j'ai attiré l'attention de la personne, c'est pas pour ça qu'il va m'acheter mon aspirateur. Il faut aussi que mon aspirateur il soit efficace, qu'il soit pas cher et qu'il ait des performances. Voilà. Donc l'argument publicitaire, c'est pour attirer l'attention. Et après, il faut que derrière, il y ait du vrai contenu. Donc bah, pour n'importe quel produit, puis l'information, si je la prends comme un produit, c'est un peu pareil. Donc moi, ça ne me dérange pas que certains, sur YouTube ou dans les journaux, essayent un petit peu d'attirer l'œil. Et mon envie, ce n'est pas du tout de changer les médias, de changer les journalistes, parce que c'est le modèle économique qui est comme ça. Et je pense qu'il n'y a rien à faire. C'est structurel, c'est le mystère qui fait cliquer. Bon, ce qu'il faut, c'est éduquer les citoyens, moi le lecteur ou moi le visionneur de YouTube, il faut que je sois au courant de ça, que je sache que oui, non, Einstein n'est pas vraiment tort, que c'était juste pour attirer mon attention, mais qu'il peut quand même y avoir un truc intéressant dans la vidéo ou dans l'article, ou pas, si ça se trouve c'est aussi nul, et qu'il faut que j'arrive à juger les choses en fonction de preuves et des arguments qui sont réellement avancés, sans me fier trop à la vignette racoleuse et au titre un peu provocant. Voilà. C'est ça l'éducation aux médias, c'est pas vouloir changer de journaliste, mais d'être conscient de ça et puis de savoir. Là, je réagis parce que ça, c'est un problème auquel on est vraiment confronté en tant que scientifique. Du coup, on nous demande assez souvent de vulgariser ou de parler aux gens, etc. Et le scientifique, lui, il va en général s'interdire de faire ça. C'est-à-dire qu'il va se dire, non mais là, je vais pas... Mon titre, il est faux, quoi. Si je dis ça, les gens, ils vont croire un truc faux. Et oui, oui. Et c'est vrai qu'on hésite beaucoup. Et quand on parle avec des gens qui font de la communication, souvent, c'est un dialogue de sourds, quoi. Parce qu'on leur dit, non mais là, vous faites un truc malhonnête. Vous allez... Un journaliste qui veut savoir si les pyramides d'Égypte ont bien été construites par nos ancêtres égyptiens ou par une race préhumaine avec une technologie avancée, par exemple. Eh bien, il pourrait soit interviewer le zozo du paranormal qui est plein de théories sur les aliens, soit interviewer un archéologue. Le premier, il affirme les choses de façon péremptoire et de façon sûre. Quand le journaliste il interroge l'archéologue, il va lui dire « Alors, il y a des chances, on a des raisons de penser que peut-être, il n'est jamais sûr parce qu'il sait que la certitude absolue, ça n'existe pas en science. C'est comme ça, c'est lui dans son domaine à lui, dans son microcosme. Il y a des preuves pour et des preuves contre à évaluer. Mais face aux citoyens lambda, quand il voit les deux témoignages côte à côte, il y en a un qui a l'air sûr de lui, qui a des preuves, qui est carré. L'autre, il n'a pas l'air sûr de lui. Il n'a pas l'air de savoir, en fait. Il a l'air d'avoir des théories un petit peu différentes. Et donc, du coup, bah, c'est tout cuit, quoi. Le plus convaincant, c'est le premier, c'est pas le deuxième. Moi, loin de moi l'idée de vouloir changer les scientifiques et de leur dire d'être un peu plus affirmatif. Mais faire de l'éducation aux médias, c'est aussi ça. C'est faire comprendre aux gens que non, mais c'est pas parce que la science, elle est humble et qu'elle sait mettre le doigt sur les défauts d'une théorie et qu'elle essaye pas de les cacher que c'est pas sûr pour autant. Et que surtout, c'est pas parce qu'il y en a un qui a caché tous les défauts de sa théorie et qui met en avant que les trucs qui ont l'air bien, que tout est bien, voilà, et qu'il ne faut pas se laisser avoir juste par cette assurance. Voilà. Et ça, effectivement, tu as l'impression de... Donc, quand on parle, par exemple, dans les écoles avec des formateurs, tu as l'impression de changer les choses un petit peu quand tu le fais Bon, bah, salut. Non, pour être honnête, changer les mentalités, changer les consciences, changer les façons de faire, les habitudes,
déjà, moi tout seul, j'en aurais bien sûr pas la prétention. Toute la communauté sceptique qui essaye de faire quelque chose pour que les politiques ou les journalistes soient plus rationnels n'y pourront rien non plus. Je ne suis pas très optimiste. D'accord. Je m'adresse à ceux qui ont envie de se former à la pensée critique pour raisonner eux-mêmes de façon plus rationnelle, parce qu'ils en ont envie. À ceux-là, je veux bien essayer qu'on en discute, qu'on essaye de trouver des moyens et qu'on s'échange nos techniques. Voilà. Celui qui n'a pas envie de le faire, je vois aucun moyen de le faire changer d'avis. Quoi. Mmh. Et souvent, on change le contact des autres. Ouais. Donc, le fait que ça existe, voilà, elle donne l'espoir. Exactement. En fait, c'est ça. Pour faire un truc un peu plus positif que tout à l'heure. Donc, on la reprend. Je ne sais pas si je pourrais forcer les gens à raisonner différemment, plus comme moi. Par contre, essayer d'être un modèle et de dire, bon, bah voilà, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Et puis bah, je vous le montre en vidéo, je fais des petites séries de vidéos sur YouTube pour vous montrer comment moi j'aborde les médias, comment moi j'aborde le paranormal, ce qu'il faudrait faire si on avait un petit peu de budget pour tester la prétention de tel ou tel praticien. Voilà, donc j'en discute pour essayer de vous montrer un modèle, et en espérant que certains puissent se raccrocher à ça, puis essayer de s'approprier cette méthode, puis se dire « Ah ouais, finalement, ça a l'air pas mal, moi aussi j'aimerais me former à la pensée critique ». Les enfants apprennent des adultes aussi. Ouais, exactement. Et c'est en apprenant aux parents, on apprend aux enfants aussi. Exactement, vous venez de le dire, c'est en apprenant aux parents que les enfants pourront suivre le modèle. C'est par imitation qu'on finit par changer les gens. Quoi. Voilà. C'est comme ça. Quoi. Vous disiez que c'est structurel le fait que les journalistes avaient des titres comme ça et des livres comme ça. Mais est-ce que justement, ce serait pas important d'aller éduquer dans les écoles de journalistes? Ouais. Alors, dans les écoles de journalistes, on pourrait essayer d'éduquer les journalistes. Mais moi, je pense que je vais essayer de m'y prendre autrement. J'aimerais éduquer les lecteurs pour essayer de leur faire comprendre que tous les médias qui ont un modèle basé par la publicité, il n'y a pas grand-chose à faire pour eux. Ils seront toujours dans le sensationnalisme. Par contre, si vous achetiez un peu plus des médias qui ont un autre modèle économique, un modèle économique payant, comme on le faisait à l'époque, hein. Moi, ma grand-mère, elle allait acheter son journal avec des vrais sous. Alors qu'aujourd'hui, personne n'achète son journal. On va juste sur le site du Monde, le site du Point, le site du Figaro, c'est tout gratuit, ça nous tombe dans la site, tout gratuit, tout est gratuit. Même dans le métro, les gens distribuent les journaux gratuits. Voilà. Le fait que ce soit gratuit, il y a un coût à payer. Le coût, c'est que bah, du coup, les journaux ils doivent être sensationnalistes pour attirer le chaland et faire de la vue. Quoi. Et il y a quelques journaux qui proposent un abonnement. Mediapart, par exemple. Arrêt sur image, par exemple. Donc, payer un abonnement à un média qu'on trouve de qualité, qui font des enquêtes de fond, des enquêtes, hein, pas des trucs sensationnalistes, et puis ben, donner un peu d'argent pour avoir une information de qualité, c'est quelque chose que nous, on devrait réapprendre. Et plus on le fera, et plus il y a de médias qui s'y mettront, qui feront des groupuscules à l'intérieur de leurs médias, qui sont payés par des abonnements et qui du coup font justement un petit peu de réflexion, de l'enquête et pas seulement du sensationnalisme d'actualité du jour. Voilà, pas de l'information en continu, mais des dossiers avec un peu de recul. Et on peut les inciter à faire ça en achetant notre information. Il bah, faut accepter que ça nous coûte un peu. Quoi. Ouais, il y avait un avantage démocratique avec le modèle basé sur la publicité qui fait que tout le monde a accès à tout sans distinction de classe sociale ou de race ou de richesse ou trucs comme ça. Alors que c'est vrai que si on demande à payer, bah, mais ça, je sais pas, ça pourrait être aussi une sorte de service public. Il y a bien une sorte de redevance. On demande à tout le monde de cotiser un petit peu pour que des journalistes professionnels fassent une info de qualité. Donc ça peut aussi être une idée d'essayer de trouver des financements publics pour faire de l'info de qualité. On demande à tout le monde, ou même carrément aux plus riches, de cotiser dans une petite cagnotte qui sera destinée à une sorte de CNC, mais du CNC du journalisme, par exemple. Il y a plein d'idées à trouver pour essayer de modifier ce modèle économique sur la pub qui gâche un peu tout. Quoi. Le jour où YouTube a proposé de rémunérer un petit peu les créateurs avec toutes les publicités qu'ils gavent autour des vidéos des gens, à partir de ce moment-là, les contenus,
ont dérivé vers une sorte de sensationnalisme coloré à base de vidéos faciles, vite faites, qui font de la vue facile. Et la qualité, ben, au moins pour une frange de créateurs, c'est complètement dégradé. Voilà. Donc ça, c'est assez mécanique. Et vu que maintenant, les vues, les revenus publicitaires diminuent pour des raisons différentes, c'est des raisons propres à Google. Ben, moi, je trouve qu'il y a plein d'autres modèles qui se mettent en place. En particulier sur YouTube, il y a les pourboires. Il y a plein de vidéastes qui proposent plutôt que de mettre de la publicité sur ces vidéos, que la communauté des fans qui tiennent vraiment et qui sont vraiment intéressés cotise un petit peu pour payer le créateur. Et ça permet au créateur d'être libéré du nombre de vues et de ne pas avoir à regarder si la vidéo elle a fait des vues ou pas. Et moi, par exemple, on n'a rien à fiche qu'elle fasse 10 vues ou 1000 vues. Pour moi, c'est un peu pareil. Je fais ce que je trouve bien. Je passe le temps qu'il faut pour le faire. Je fais une vidéo tous les 3 mois. Alors, si je mettais de la publicité sur mes vidéos, c'est sûr que je ne pourrais pas gagner même pas un kebab par mois, quoi. Et du coup, ben, ça me libère d'un poids. Je n'ai pas à aller vite. Je vais pas faire des trucs qui intéressent les gens. Que ça intéresse les gens ou pas, je m'en fiche. Je fais ce qui m'intéresse moi, les sujets sur lesquels je suis en train de travailler moi. Des fois, ça intéresse les gens, des fois pas. Mais c'est pas grave, parce que moi, je suis pas soumis au nombre de gens qui me regardent. Voilà. Et ça change tout. Par rapport au modèle public, est-ce qu'on peut dire que, quand on prend la télévision, les chaînes de service public répondent à un objectif de qualité? Attention, alors, tu es enregistré. Vous n'avez pas dit dans votre phrase toute notion à la France, donc je vais volontairement élargir et dire que oui, c'est possible. Par exemple, la BBC, je trouve qu'ils ont des reportages scientifiques un peu carrés. Ils investissent dans des moyens de donner la parole aux chercheurs. Ils ont des créations, même les fictions qu'ils proposent, c'est des fictions que je trouve classe. Voilà. Bon, vous voulez parler de plutôt la France, hein. Bon, nos créations fiction, elles sont, il y en a des biens, c'est pas tout. Et puis ben, c'est vrai qu'au niveau éducation scientifique, on parlait d'information, pas au top. Et après, à l'information, ça, je sais pas, je regarde pas trop la télé, les informations, donc j'en sais trop rien. Mais, en tout cas, pour ce qui est des créations de documentaires ou au moins de vulgariser la science, ouais, ça pourrait être mieux. D'autres personnes veulent profiter de Christophe tant qu'il est là? J'ai pas d'idée de l'heure, j'ai pas. Il est 25, ouais, donc on va s'arrêter du coup. Ouais, okay. Bah écoute, on s'arrête ici, ça te convient? Ça m'a fait grand plaisir de pouvoir discuter avec vous. Non, bah, c'est super que tu sois là, ouais, merci. C'est un format qui est vraiment super. Et puis moi, j'ai toujours grand plaisir à regarder toutes tes vidéos. À chaque fois, yes. Ça me libère. Ça me donne plein d'idées. Ouais. Non, et puis, une vue de plus, oui. Ta dernière sur les corbeaux blancs, là, sur l'induction, c'est vraiment au centre des sujets qui m'intéressent en ce oui, moment. Oui, bah, oui, oui, c'est effectivement. Je pense que je vais rebondir dessus dans l'année pour essayer de faire un peu ma version de ce que tu racontes. Oh, bah, super. Avec mes dessins, parce que ça m'a beaucoup inspiré. Bah, écoute, merci de venir. Merci d'être venu. Merci à tout le monde. On se revoit, pour ceux qui sont encore là, dans un an. Voilà. Merci. Joyeux Noël. Bonne fête.